Ça se passe dans le sud de Rennes et c'est l'histoire d'un livre. Ce livre, il est chez ma fille. Non, il est chez un étudiant qui habite dans mon immeuble. Ah non, je ne crois pas, il est chez mon voisin. Bref, c'est l'histoire d'un livre chez quelqu'un. Ce livre, elle n'en veut plus parce qu'elle n'a plus de place. Mais non, on lui a offert et en fait, elle avait déjà lu. Ah non, je crois pas, c'était tout simplement pour partager. Bref, c'est l'histoire d'un livre chez quelqu'un qui ne le garde pas. Alors, un matin, elle est venue déposer le livre sur l'étagère de rue de Carrefour 18. Je crois bien que c'était une nuit de pleine lune. Ah non, c'était un après-midi de pleine lune. Bref, c'est l'histoire d'un livre déposé dans l'étagère de rue. Sur l'étagère de rue, ce livre n'est resté pas plus que 2 minutes. Non, il est resté 3 mois. Je crois plutôt qu'il y ait encore. Bref, c'est l'histoire d'un livre déposé par quelqu'un à un moment dans l'étagère de rue Carrefour 18. C'est une maman qui est venue à la halte chercher son enfant. Non, c'est un papa à l'espace lecture. Moi, je crois que c'est plutôt le directeur du centre social. Bref, c'est l'histoire d'un livre déposé par quelqu'un dans l'étagère de rue et qui repart ou pas.